Europe.fr. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est 9h01 qu'on amène le coach et qu'on le fasse chanter. Dans 3 minutes, juste après les infos, je vous envoie à New York voir Justin Timberlake pour la toute première date de sa tournée mondiale. On va s'écouter Martin Garrix sur aussi Kygo. Et dans 10 minutes, c'est les infos de Glandu. Ouais. L'homme qui donne des réponses aux questions que personne ne se pose. Avant ça, voici les infos. L'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, encore bien timide le soleil aujourd'hui sur Monaco et la Côte d'Azur. S'il devrait se montrer dans des éclaircies cet après-midi, c'est la grisaille qui va le plus souvent avoir le dessus le reste du temps. Thermomètre, les températures maximes ne vont pas dépasser les 12 degrés au meilleur moment. 8-9 pour commencer la journée sur le littoral. Ensuite, ce week-end, ce sera du grand beau temps, mais en revanche, il fera un petit peu frais. À Monaco, ce week-end, le cirque reprend ses droits sous le chapiteau de Fontvieille. Après les artistes confirmés, place à la relève. C'est New Generation qui va vous en mettre plein les yeux. Mais pas de cirque sans son monsieur loyal. Cette année, il se nomme Lionel Goutel. Pour lui, c'est un moment particulier. Monsieur loyal, c'est un rêve que j'ai eu depuis enfant. Donc pour moi, d'être ici, aujourd'hui, sur cette piste, que je regardais le festival à la télé depuis tout petit, ça n'a pas de mots. Parce que moi, à chaque fois que je suis ici et que j'ouvre les yeux, c'est un rêve éveillé. Pour moi, c'est incroyable. Le rôle de monsieur loyal, c'est le rôle un peu du maître de cérémonie, puisque en fait vous allez présenter les artistes, vous allez les mettre en valeur sans vous mettre en valeur vous. Voilà, il y a un petit fil rouge aussi dans tout le spectacle, parce que c'est la personne qui fait en sorte que les numéros s'enchaînent bien, qui a un lien aussi un peu avec le public. Voilà. Propos recueillis par Théo Cardon, il y aura 3 représentations de ce festival, 2 samedi et 1 dimanche pour la remise des prix. Plus de renseignements sur le site montecarlofestival.mc. À quelques rues de là, c'est sur le quai Albert 1er que sera donné ce soir le départ du rallye historique de Monte Carlo. Près d'une centaine de voitures vont s'élancer pour une étape vers l'Isère à 19h. On garde les mains sur le volant avec une légère baisse de la mortalité sur les routes en France l'an dernier. C'est le bilan qu'on peut tirer à des chiffres officiels présentés hier pour 2017. Moins 1,2%, soit encore 3693 tués dans un accident de la circulation en France. Des accidents en augmentation, tout comme les blessés et les hospitalisations. Une tradition, tous les 2 ans, les épreuves du bac se déroulent pendant une grande compétition de foot. Cette fois, c'est la Coupe du Monde qui va perturber les révisions et les épreuves pour les terminales. Les dates de l'examen ont été dévoilées hier. On commencera avec la philo le 18 juin pour finir une semaine plus tard, le lundi 25, pour les filières générales. Enfin, on passe au sport avec un match de foot ce soir. Marseille accueille Metz au stade Vélodrome pour le début de la 24e journée de championnat. Si l'OM l'emporte ce soir face à la lanterne rouge du championnat, ce sera 3 points de plus au compteur et autant d'avance sur les poursuivants lyonnais puis monégasques. Ces deux équipes se rencontrent d'ailleurs pour un match choc ce week-end. Ce sera dimanche à 21h au stade Louis II. Voilà pour votre actu. On est vendredi 2 février, il est 9h04 sur Énergie Monaco Menton. Manu dans le 6-9 pour vous accompagner pendant encore une petite demi-heure. Bonne journée à vous, bon week-end. Salut, c'est Tinvé. Debout tout le monde. C'est l'heure de se réveiller avec Manu dans le 6-9. Bah, il a une façon bien à lui de réveiller les gens. Hein. Ah ouais, on dirait ma mère, dis donc. Ta mère, elle est comme ça. Ah, ma mère, elle nous réveillait comme ça. Oh, ça va être sympa chez toi. Ouais. En hurlant comme ça. Ah ouais, c'était dur. Ouais. Ah, j'ai eu une enfance difficile, tu sais. Ah bah oui, oui, j'ai fait ça. Ouais. Bon anniversaire à Kinvé, c'était son anniversaire hier, on a oublié. Voilà. Oh, non. Vous savez quoi, c'est tout nous. Mais oui.